Las grandes aventuras suelen comenzar con una bonita historia. La de la marca Ducray lo hace en un salón de peluquería en el corazón de un barrio chic parisino en los felices años 20. Un hombre, audaz y visionario, le confiere su nombre, Albert Ducray. Albert Ducray était un sacré bonhomme. C'était un type formidable et c'était mon père. C'était un père, pour moi, attentif et surtout complice, avec moi. Son propre père à lui était le docteur Ducray, Jean-Baptiste Ducray. C'est évident, je pense qu'il y a eu une complémentarité de culture entre ce qui était la dermatologie donc, de son père et le milieu dans lequel mon propre père naviguait au sein des plus grands salons de coiffure donc, de Paris à cette époque-là. L'une des qualités clés de mon père, Albert Ducray, la curiosité et l'attention donc au monde qui l'entourait. Non seulement il sentait l'air du temps, mais il était en avance sur le temps. Ce n'était pas un suiveur, c'était un pionnier. En 1929, il crée sa première gamme de shampoings, qui sont des shampoings qui ont comme qualité essentielle d'être en dose individuelle, ce qui n'existait pas à cette époque-là. Deux ans plus tard, son intuition va beaucoup plus loin. Il invente de toutes pièces une gamme de shampoings qui se présente à ce moment-là sous forme d'ampoules individuelles en verre, mais ce sont des shampoings qui sont à base d'excipients naturels et qui sont adaptés à chaque type de chevelure. C'est une révolution. Ceci n'existait absolument pas et le soin capillaire est une découverte à cette époque-là. Je rappelle qu'à cette époque, on se lave les cheveux peu souvent et on se lave les cheveux au savon de Marseille. Lorsque les lix savons du docteur Ducray donc, sont mis sur le marché en 1931, objectivement, le succès commercial est à la porte. Aux alentours des années 1950, mon père a une autre intuition. C'est de mettre en cohérence, en adéquation, sa gamme de shampoings médicaux avec un circuit de distribution qui est celui de la pharmacie d'officine. Il faut se souvenir qu'à cette époque, la pharmacie d'officine est très traditionnelle et peu ouverte sur la cosmétologie. Et ça marche bien. Ce qui l'amène d'ailleurs par la suite à diversifier son offre produit en conservant la même philosophie, mais non plus seulement adaptée donc à la chevelure, mais également à la peau. Nous sommes en 1969 et donc papa a 68 ans. Papa commence à être un homme fatigué et je crois qu'il recherchait honnêtement quelqu'un qui puisse continuer son œuvre. Il a eu à cette époque la chance ou l'opportunité, je ne sais, de rencontrer Pierre Fabre. Et là, ce sont deux hommes qui se sont rencontrés qui, selon moi, avaient beaucoup de points communs. C'était deux hommes qui étaient, je crois, des visionnaires. Et il était très clair que la vision de mon père était certainement entre bonnes mains avec Pierre Fabre. Con el tiempo, se confirmarían las esperanzas de Albert Ducray. Y a partir de los años 70, Pierre Fabre le dio un nuevo impulso a la marca. La creación del champú equilibrante fue la primera etapa. La marca empieza a dirigirse a los médicos proponiéndoles un producto que permite reequilibrar y suavizar el cuero cabelludo dañado por los tratamientos agresivos. El público en general se lo apropia. Primer champú de uso frecuente se convierte en un producto de culto con un perfume que atraviesa las épocas. En los años 80, alentada por la confianza depositada por los médicos, la marca opta por lanzarse en los cuidados de la piel, gracias a una formulación galénica que aún hoy sigue considerándose como una verdadera hazaña, nace Ictian. En aquellos años, los tratamientos para el acné propuestos por los médicos eran muy agresivos. La experiencia clínica, una referencia del grupo Pierre Fabre, permite demostrar la increíble eficacia hidratante de Ictian. Fue el primer cuidado dermocosmético recetado por los profesionales de la salud. Toda una generación de adolescentes encontraría una solución para su piel seca y dañada.
La marca Ducray sigue sus labores de investigación médica. En los años 90 se lanzan no menos de 20 referencias. Los dermatólogos disponen ahora de un conjunto de soluciones coherentes con los problemas de sus pacientes. La notoriedad de los productos trasciende entonces las fronteras y los mismos se distribuyen ya en más de 60 países de todos los continentes. Los productos de culto de la marca siguen estando allí, si bien han evolucionado para hacer frente a las particularidades de cada piel. Además, también se han lanzado nuevos cuidados caracterizados por la innovación. Con más de 10 patentes en curso sobre sus activos, la marca sigue estando a la vanguardia. Keratinyl es uno de sus símbolos. De la limpieza a la corrección de la piel, pasando por el tratamiento local, es la única gama dermocosmética en considerar el tratamiento del acné de forma completa y global. Fiel a sus raíces, la marca Ducray continuará su labor siguiendo la filosofía de sus fundadores, la investigación y la innovación al servicio de todos los tipos de piel y de cabello. Los futuros descubrimientos originarán indudablemente los productos de culto del mañana. Una bonita historia, que comienza en un salón de peluquería en París y que continúa en el mundo entero. La marca Ducray, el legado de dos hombres que tenían en común el hecho de mirar en la misma dirección, el futuro.